Stairs, strokes. Oh, what a shot from Thierry. And now we are even at 7 apiece. We're tied 7-7 in this opening game of the final of the... Bonjour les enfants, c'est Thierry Lacou. J'habite à Boston depuis 7 ans et voilà, je suis ici un coach à MIT. Je suis ancien entraîneur de l'équipe nationale des US. Et durant ma carrière, j'étais champion du monde donc en 2004. J'ai aujourd'hui 42 ans et voilà, avec 3 enfants. Can Mazen Hakam convert this time? 30 game ball for him. It's gone from 3 wall up. Well, it's a 2 up. Down the middle again. Marsh was equal to it this time. 3 wall nicking attempt. And again. Wow. He's made it. Oh, what a pickup. Chance. Oh, oh, it still comes way, back. No still way. Comes back. And again. This won't go away. Marsh. Some incredible skill from Hesham, but the pickups from Marsh. Still going. Oh my oh word! Goodness what me. A rally! Wow. The people at the back are on their feet. That is outrageous! Movement from Grégoire Marsh, and then the drop to win the rally. What a finish! Look what at that! That is amazing. That's absolutely a joke. Incredible. Ridiculous athleticism. We knew it was going to be match of the day, Parkin. It's living up to that for sure. Salut les jeunes, bon alors apparemment vous allez faire un petit stage, alors voilà je voulais juste vous faire un petit coucou, moi c'est Greg Marsh au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, je suis actuellement numéro 17 mondial et numéro 2 français, voilà avec quelques titres de champion de France en junior, champion de France cette année en senior, 7-8 tournois PSA gagnés il me semble, et voilà champion d'Europe aussi avec l'équipe de France, et voilà donc j'espère que... Le stage sera un bon tremplin pour vous. En tout cas, régalez-vous, éclatez-vous, et puis j'espère qu'on se verra un jour sur les cours. Alors, un dernier petit conseil pour finir ces petites vidéos. J'espère que déjà ça vous aura bien aidé. Mais voilà, moi j'aimerais surtout insister sur le fait de se faire plaisir, de ne pas oublier que c'est un jeu. Et que voilà, on peut pas être bon tous les jours, mais si on a été honnête avec soi-même et qu'on a fait le travail qu'il fallait, il y a pas de raison de trouver du plaisir même sur des jours compliqués. Donc voilà, essayez toujours de trouver même sur des séances qui sont pas très faciles ou très sympas. Il y a toujours une partie de fun. On a la chance de faire un sport qui est un jeu. Voilà, on dit je vais jouer au squash, donc c'est ce qui compte. On va jouer et tout en étant rigoureux et voilà, ça veut pas dire de prendre les choses à la légère, ça veut juste dire que il faut pas oublier que c'est fun avant tout et tout en étant voilà comme je disais sérieux, concentré à l'entraînement, concentré en match, mais il faut apprécier le moment et voilà donc je suppose que c'est ce que vous allez faire cette semaine, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et à très bientôt. Oh, it's brilliant. Oh my. I don't believe it! That is a joke! Bonjour les jeunes du PHHN, c'est Mathieu Castagnier. Voilà, et bien écoutez, Amaury Fribourg a eu une très très bonne idée. Ce serait de faire cette petite vidéo dans l'optique de vous faire partager un petit peu mon expérience sur deux trois petits sujets qui sont fondamentaux lorsqu'on devient un sportif de haut niveau. Et je vous souhaite à tous un très bon stage ou un très bon entraînement. Et bien écoutez, sachez que vous êtes les jeunes de demain, donc foncez, mais ne négligez absolument rien. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
second game. Wow. Half volley finish, Matthew. Oh, what a finish that was. Oh, we'll have more of those, please. We will have more of those. Come to the party of Nick Matthew. Brilliantly to control the pace here. Oh my goodness gracious. How does he do it? How does he do it? That was outrageous. That was as flat can be, PJ. Wow. I've never seen Nick Matthew hit one as flat as that. Almost got stuck in the nick. Didn't it, from Nick? Great nick from Nick. Oh, that's the famous Nick Matthew lob. Bit of a smile from the Yorkshireman. He loves the lob. And out, 5-6. A lot of practice into that shot over the years, and this one has turned into a complete win. Oh my goodness me, that was a massive cross-court nick from Matthew. Well, I don't Gaultier think I'm really enjoying this one himself. I mean, not even the speed of Gaultier able to react to that one. All we saw was that the ball just rolling straight at it. My advice for kids is you have to enjoy what you do, that you don't have to be the best immediately. You can just keep working little by little. You know, a house wasn't built with one brick. You know, you put the bricks each time and you want to enjoy the game, and squash is for life, no matter what standard. So keep enjoying it, keep working hard. À faire ce que vous faites, c'est vraiment un luxe pour nous de faire du squash, faire ce qu'on aime dans la vie. Donc essayez aussi de vous fixer des objectifs à court terme mais aussi à long terme. Mais au début, je vais mettre des objectifs pas trop élevés pour les atteindre, pour créer une dynamique positive, pour ensuite aller chercher un autre objectif. L'objectif, c'est ce qui permet de créer de la motivation. Donc cet objectif, on n'en va nulle part.